Salut à tous et bienvenue dans 101% avec la critique de Nidhogg, The Place to Be, Notion et Retro and Magic sur Sid Meier's Pirates. Alors aujourd'hui, on continue la série des affiches de bonne manière avec Kelolo Gunso. On a déjà vu 3 affiches la dernière fois. Je vous avais dit qu'il y en avait 7 en tout, mais j'avais menti. En fait, il en reste une pour voir la série complète des bonnes manières dans l'enceinte de la gare. Ensuite, on va voir ce qu'il faut faire dans les trains et c'est là qu'il y a 7 chapitres. Mais d'abord les news. So, you finally returned, Keeper. La simulation de donjon créée originellement par Peter Molyneux dans les années 90 est réapparue il y a quelques jours sur support mobile en version free-to-play. Les graphismes sont remis au goût du jour, l'humour est intact et on se surprend à baffer avec délectation ces minions pour les mettre au travail ou à martyriser ces malheureux ennemis transformés en poules très rapidement. Le gameplay est évidemment revu pour les supports tactiles, mais reste très classique, si ce n'est que les phases d'invasion de donjons sont séparées de celles de construction. On se met à bâtir un donjon maléfique avec plaisir, jusqu'au moment où, une fois le tuto fini, au bout de quelques minutes, le côté free-to-play reprend le dessus. Chaque action prend un certain temps et il est possible d'accélérer le chrono grâce à des joyaux. Joyaux que l'on pourra acheter avec ses économies bien réelles. Quand le moindre tunnel met littéralement 4 heures à être creusé, avec 2 diablotins maximum pour débuter le jeu, autant dire que la contrainte sur le joueur est quand même très pesante. Il faudra alors débourser pour jouer ou tout simplement abandonner. C'était sûrement mieux d'être méchant auparavant. Dungeon Keeper. Ne zappez pas, vous allez rire. Le collectif québécois de développeurs indépendants Co-op Mode s'était déjà fait remarquer en annonçant Skipping Stones, un jeu assez mystérieux qu'on nous a présenté comme une aventure musicale contemplative. Alors que ce dernier n'est toujours pas sorti, c'est au tour de Gna de venir attiser notre curiosité grâce à une courte vidéo teaser assez étrange. Dans ce futur puzzle game développé en collaboration avec l'illustrateur Samuel Boucher, Co-op nous proposera de contrôler un personnage enfermé dans des sortes de têtes géantes appelées Gna. Le principe pour le joueur devrait être de faire sortir le héros de ces Gna en interagissant avec leur visage, mais aussi avec leurs intérieurs. Son développement n'ayant commencé que depuis 2 mois à peine, on ne sait rien d'autre du jeu pour le moment, si ce n'est qu'il est prévu sur Windows, macOS et iOS, Linux, Android et, attention c'est là que vous allez rire, et sur Ouya. Elle n'évoque peut-être pas grand-chose pour certains d'entre vous, mais les images qui défilent à l'écran sont sûrement capables d'arracher une petite larme à bon nombre de fans de jeux de combat. Car oui, vous êtes en train de voir la vidéo d'introduction de la version arcade du prochain Guilty Gear. Et Guilty Gear, c'est cette série culte sur laquelle on avait pensé devoir tirer un trait quand Arc System Works en a perdu les droits au profit de Sega. Bien sûr, il y a eu les BlazBlue pour compenser, mais ça n'était pas tout à fait pareil. Et c'est donc avec une émotion certaine que l'amateur accueillera l'arrivée de cette introduction qui annonce le retour de Sol Bad Guy, Kai Kisuke ou encore Milia Rage, mais aussi l'arrivée d'un certain Bedman complètement inédit. Pour l'instant développé pour l'arcade, la PlayStation 3 et la PlayStation 4, Guilty Gear Xrd tournera sous Unreal Engine 3 et devrait voir le jour dans le courant de l'année. No response, but hey, you're ready back to back. Guilty Gear Xrd. Quatrième et dernière affiche des bonnes manières à respecter dans la gare, je vous rappelle les autres recommandations, hein. Ne pas jeter ses déchets par terre, ne pas courir et se mettre en rang pour entrer dans le train. Alors ici c'est le danger du Haluki Nagala. On voit au premier plan Kelolo avec une peau de banane à la main, alors il s'amuse à en parsemer sur le sol tellement il est machiavélique. Alors, pourquoi il fait ça? C'est pour donner une bonne leçon aux filles qui sont en train de marcher tout en regardant leur téléphone. On voit que la fille aux cheveux roses, qui s'appelle Natsumi, est en train d'envoyer un message à son amoureux et donc elle fait pas attention à la peau de banane qui est sur le sol. Et comme la blonde, elle va glisser dessus et tomber. D'ailleurs, Guilolo, la petite grenouille rose qui est amoureuse d'elle, la prévient. Abonai Natsumi! Alors au-dessus de Kelolo, on peut lire Kelo, 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 c'est le cri de la grenouille. Et le haïku en haut à droite, Kiyotsukete, Nagara Haruki no Otoshiana. Alors Nagara, c'est un suffixe qui s'accroche à un verbe pour donner le sens de faire 2 choses en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, marcher tout en faisant autre chose, c'est un piège. Et en bas à droite, le petit agent Sumama nous fait sa petite morale. Haruki Nagara no Keitai ya Game wa
Abuna inode, yamelude, smilu. Alors c'est dangereux de marcher tout en étant sur son téléphone ou sa console, donc il faut arrêter ça pour que tout le monde puisse circuler dans la gare avec le sourire. Voilà, on a vu les 4 affiches des bonnes manières à observer dans les gares. Après la critique de Nidhogg, on va passer aux bonnes manières à respecter à l'intérieur des trains, et ça, ça rigole pas. Il y a 2 semaines, on parlait ensemble de Samurai Gun, un jeu issu de l'alliance entre la fine fleur du jeu et de la musique indé. Par un jeu du destin complètement hallucinant, si l'on décide d'en faire trop, sortait peu après Nidhogg, lui aussi issu de l'alliance entre la fine fleur du jeu et de la musique indé. Si Samurai Gun réunissait Technopence et Dozwan, Nidhogg a été imaginé par Messoff et mis en musique par Daedalus. Derrière Messoff se cachent Mark Essen et Christine Norind, 2 jeunes développeurs unis par les liens sacrés du rétro et du diplôme de l'UCLA. Sans être une de ces indie superstars, le studio avait su attirer l'attention avec Fly Wrench en 2007, mais jamais autant qu'en présentant Nidhogg il y a déjà bientôt 4 ans. De convention en festival, le jeu générait toujours un engouement certain, mais se voyait tout de même régulièrement repoussé, si bien qu'on avait fini par ne plus trop y croire. Jusqu'à une annonce surprise en début d'année, quelques semaines à peine avant la sortie effective du jeu sur Windows. Daedalus, de son côté, répond au nom d'Alfred Wisberg Roberts à la ville. Nom reconnu de la musique électro-expérimentale, il est un des piliers du célèbre label Ninja Tune, aux côtés Damon Tobin, Blockhead, Kid Koala, de Herbalizer ou plus récemment Antipop Consortium. Et si cette collaboration entre développeurs et artistes indés rappelle Samurai Gun, la comparaison ne s'arrête pas là, puisque Nidhogg est également un jeu à l'aspect rétro qui met l'accent sur le duel à l'arme blanche. Coïncidence ? Je sais pas. Sûrement, mais je sais que c'est pas demain la veille que vous m'entendrez utiliser une expression toute périmée comme « coïncidence », je ne pense pas. Parlons un petit peu de mythologie nordique, voulez-vous ? Nidhogg le jeu tire son nom de Nidhogg le serpent, qui dans l'Edda poétique est tantôt une créature monstrueuse dévorant l'une des racines d'Yggdrasil, tantôt un dévoreur de cadavres. Il y est également décrit comme celui par qui s'achève le Ragnarok, la fin du monde lorsqu'il transporte les défunts au-dessus de la plaine où s'est déroulée la terrible bataille. De son côté, le Vlot désigne dans le paganisme nordique le sacrifice offert aux dieux. Il était effectué lors de grandes cérémonies festives, et même s'il concernait en grande majorité des animaux, il a pu de manière très marginale impliquer des sacrifices humains. Rappelons enfin le principe d'Einherjar, qui stipulait qu'un héros tombé au combat pouvait être emporté par une valkyrie pour être accueilli en Asgard, le domaine des dieux. La mort au combat était donc hautement glorifiée chez les peuples nordiques. Elle pouvait aller jusqu'à constituer la seule mort honorable pour un guerrier, qui ne considérait le décès naturel qu'avec mépris. Le jeu Nidhogg mélange un peu toutes ces notions, en nous plaçant dans la peau de bretteurs anonymes livrant des combats en arène incessants. Durant ces joutes, la mort n'est pas une issue, puisque les combattants ressuscitent constamment et reprennent les armes immédiatement. Le seul salut qui interviendra après une série de victoires glorieuses se trouve dans la gueule d'un serpent géant qui viendra dévorer l'heureux vainqueur sous les acclamations d'une foule joyeuse. Et le plus tragique, c'est qu'on en viendrait presque ici à partager cette chose absolument terrifiante qu'est l'extase dans la mort. La faute peut être en partie à cet aspect général fluo à la limite du psychédélique, à une bande originale envoûtante et à un système de jeu extrêmement éprouvant pour les nerfs. Nidhogg part d'un principe très simple. 2 combattants s'affrontent à l'épée dans différentes arènes divisées en plusieurs écrans. Le but pour chaque escrimeur ne se limite pas à abattre son adversaire, qui réapparaîtra peu après être tombé, mais consiste plutôt à atteindre une extrémité de l'arène. À 2 épées et quelques meurtres près, le principe rappelle donc beaucoup ceux du rugby ou du football américain, qui demandent régulièrement à un joueur d'effacer une série d'adversaires pour atteindre la zone d'en-but. Mais Nidhogg y ajoute le combat donc, et celui-ci obéit en l'occurrence plus ou moins aux règles de l'épée ou du fleuret, dans le sens où l'on manie une arme d'estoc. Il suffit que la pointe d'une arme touche son adversaire pour qu'il y ait touche et mort. Il s'agit alors de jongler entre 3 hauteurs de garde, basse, moyenne et haute, et de tenter d'embrocher son ennemi sans goûter à sa lame. Pour ce faire, on peut exécuter une estocade d'une simple pression sur un bouton pour ainsi gagner en allonge sans exposer directement son corps. Mais il faut garder en tête qu'une attaque portée sur la ligne de garde adverse sera déviée et que venir frapper la lame de son ennemi par le haut ou le bas aura pour effet de le désarmer.
De manière plus exotique, on peut également lancer son arme, sauter et donner des coups de pied plongeants, partir en roulade ou encore faucher les jambes de son adversaire pour le faire chuter. Tout ça est régi par une sorte de système de janken qui dit que telle hauteur de garde sera efficace contre tel mouvement, mais complètement inutile face à tel autre mouvement. Et finalement, sous ses allures simplistes, Nidhogg s'appréhende comme un jeu de combat complet, en forçant à jouer avec les distances, à prendre des décisions rapides et à garder ses réflexes affûtés. Les différentes arènes, malheureusement peu nombreuses, viennent ensuite ajouter un peu de confusion au tout, en permettant par exemple à un joueur de se cacher dans les hautes herbes ou en jouant avec les couleurs de fond pour camoufler les lames, en sachant encore une fois que le but final du joueur reste d'atteindre le bout d'une arène. Il faut ajouter à tout cela la possibilité de simplement esquiver son adversaire, en lui sautant par exemple par-dessus ou en profitant du décor, pour atteindre le plus vite possible le bout de l'écran. Car Nidhogg est avant tout une guerre de position. Une partie peut potentiellement durer indéfiniment, tant qu'aucun des joueurs n'atteint sa sortie, et le rythme du jeu est donc constamment changeant. On peut passer en l'espace de quelques secondes d'une phase posée et extrêmement tendue, quand deux bretteurs restent face à face et croisent le fer, à une phase frénétique de fuite vers l'avant quand un joueur veut simplement atteindre son but en courant plus vite que le respawn adverse. Et c'est extrêmement plaisant. Nidhogg est un jeu rapide. Nidhogg est un jeu lent. Nidhogg est un jeu de combat. Nidhogg est un jeu d'esquive. Nidhogg est changeant et s'adapte au style de chacun. D'autant plus quand il ajoute à son système complet des options étonnantes comme les épées boomerang ou les traînées arc-en-ciel. Dans de telles circonstances, on ne peut donc que regretter son mode en ligne peu performant quand il s'agit d'offrir des parties fluides ou même de trouver des adversaires. Fort heureusement, le multijoueur local reste possible et complète une expérience solo déjà bien mise en valeur par une intelligence artificielle assez convaincante. Nidhogg avance un système de jeu on ne peut plus épuré, ce n'est que pour mieux le mettre en valeur par quelques petites touches qui deviennent cruciales. À leur sommet, on trouve bien évidemment le principe de passe, qui demande à un joueur d'atteindre un but précis et qui fait du combat un moyen plutôt qu'une finalité. Mais le jeu doit également une bonne partie de son efficacité à sa manière habile de jouer avec notre perception, en utilisant son aspect très coloré plus comme un véritable outil que comme un parti pris esthétique. Seul, mais surtout à deux ou plus en tournoi, il est capable d'occuper des soirées entières sans aucun souci, et il ne lui manque finalement qu'un mode en ligne réellement efficace pour justifier un achat les yeux fermés. Premier chapitre des bonnes manières dans les trains, c'est indiqué en haut, Shanaihen sono ichi. Alors, Kululu est en train d'écouter de la musique à fond tout en scurant le nez, pas très classe. Et Kelolo lui dit « Ano Kululu-kun, chotto oto ga urusai darimasyo. » Kululu le son est un peu fort. Et le haïku « Kutsurogi no shanae o midasu tsumina oto. » Kutsurogi, c'est le fait d'être à l'aise, de faire comme chez soi. Shanae o midasu, c'est déranger, troubler le wagon. Et tsumina oto, le son criminel. Donc bah, ça dessine ce bruit qui est la cause de troubles dans le train quand on fait comme chez soi et c'est pas bien. D'ailleurs, l'agent Suma m'a dit « Ketai no oto ya edohon no oto more ni chui suru de smile ». En faisant attention au son qui sort de nos téléphones et de nos écouteurs, tout le monde sourira. C'est l'heure de The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'es susceptible d'apprécier ce qu'on diffuse sur la chaîne, mais malheureusement, t'as que le câble et pas la DSL. Ah, désolé. À moins que... Mais Doc, c'est bon, ça s'est déjà annoncé hier dans le point sur nos lives. Tu regardes la chaîne un peu? Ouais, non, parce que, en fait, moi, à la base, je... Ok. Bon, bah, du coup, je vais te donner les endroits où être dans les jours à venir. Et si t'as le câble, c'est dans ton canapé devant No Life que c'est bon, mais c'est bon. D'accord. Le week-end du 8 et 9 février à Paris, t'as le Paris Manga and Sci-Fi Show. Au programme, tout ce que t'aimes en fait, plus des invités de prestige comme Tilk de Stargate SG1 ou encore le roi Baratheon de Game of Thrones. Tu retrouveras également des youtubeurs, des web-séries, des aventures, des rencontres peut-être. Le tout en mode payant parce que c'est pas la fête non plus. Le samedi 8 février à 8000, à côté de Boulogne-sur-Mer,
t'as l'assoce On se console comme on peut qui te propose de participer au 8000 Comics Day. C'est un event qui tourne autour de la BD avec pour thème cette année Spider-Man. Et c'est estampillé The Place to Be Free, donc c'est cool. Et c'est à 8000. Je connaissais pas comme ville, mais ça sonne super bien. À partir du 8 février jusqu'au 29 mars à la médiathèque de Bourges, il y a une expo qui s'appelle Geek Génération, tout geek. Et ça sera l'occasion d'assister à de la projection et de la conférence sur les thèmes que tu kiffes. Il y aura également des ateliers, du rétro gaming, du jeu sur table, de la peinture de figurines, enfin bref. Le tout très noblement estampillé The Place to Be Free. En plus, le samedi soir, t'auras le quiz des No Life avec plein de surprises et une occasion supplémentaire de parler de la chaîne en fait. Alors ouais, parce que, non en fait, faut expliquer les choses. C'est le père de Brian qui est responsable de l'espace numérique là-bas. Tu vois Brian, Kitchen là, il fait les codes pour Noco, tout ça. Mais si, Brian qui nous est arrivé de victimiser pour de faux dans des XP. Voilà, bon bah c'est son père à Bourges. Du coup moi j'y vais pas, sinon je me fais casser la gueule. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Continue de me communiquer les initiatives en postant par exemple sur le forum de la chaîne et moi après j'en parle. À la semaine prochaine. Sur le câble du coup, parce que si par exemple t'as le câble et vu que... Tu arrêtes. Ok. Chapitre des bonnes manières à l'intérieur du train, le caporal-chef d'Ololo voudrait s'asseoir, mais comme tout le monde n'est pas bien assis les uns à côté des autres, on en voit, il y en a qui prennent deux places, bah la place qui reste est réduite. Donc il leur demande « Eto boku sokoni suwatte indayone » dites « Je peux m'asseoir ici ?» Et le haïku nous dit « Tsumete kure sono hitokoto ga ienakte ». Dans cette situation, c'est pas évident de demander aux autres de se serrer. Et l'agent Sumama nous dit « Zaseki de wa yuzuri ai no kokoro o taisetsu ni suru de smile ». Alors quand on s'assoit, si on fait attention à avoir le « yuzuri ai no kokoro », le cœur à faire des concessions mutuelles, on pourra tous prendre le train en souriant. On regarde une dernière affiche après notre chan. Salut bande de tech, c'est Nono-chan. Vous avez déjà passé une radio à l'hôpital ? C'est bizarre, non, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps, comme si c'était une partie de vous-même dont vous ignorez tout. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre d'expérience. En même temps, ça me gênerait un peu, je vais pas montrer mes pixels à n'importe qui non plus. L'artiste Jason Freeney s'est posé la question lui aussi apparemment. Il a consacré toute une série de sculptures en coupe anatomique dévoilant les entrailles des plus célèbres mascottes au monde. Un bonhomme Lego, Mickey, un petit poney aussi, Yoshi, ou encore Hello Kitty. Ce qui est fou, c'est que ça reste mignon tout plein et nettement moins gore que les versions zombies de l'artiste Cody Koala des célèbres personnages de Nintendo. En parlant de Hello Kitty, le petit chaton est machiavélique tout de même, vous ne trouvez pas ? Par exemple, il va faire craquer à coup sûr les otaku de type No-chan, qui vont forcément devenir tout fous devant ce nouveau Chogo King Kitty. Plusieurs transformations sont disponibles, avec un nœud géant type Jet Scrander qui permet au chaton de s'envoler. Ou encore le terrible Poon Poon Mode, auquel devra faire face l'imprudent qui a mis en colère le félin. Kitty a réussi également à s'introduire dans les donjons spéciaux de Petzl & Dragons. Ce qui donne lieu à des conversations assez improbables de la part de personnes n'ayant pourtant aucune affinité avec cet univers. Non, ne cherchez pas, on balancera pas les noms des gens de la rédac. Ils sont tous coupables de toute façon. Ça bouffe du temps à pas mal de monde en ce moment. Remarquez, entre ça et relire encore une fois le Hobbit, hein, certains connaissent tellement le livre par cœur qu'ils ont décidé de faire jaillir littéralement le dragon Smaug des pages du roman de Tolkien. C'est ce qu'a fait une artiste danoise, Victoria, qui a transformé son livre en dragon de papier. Ça a dû lui prendre un certain temps. D'ailleurs, à partir de quand peut-on considérer que la perte de temps devient de l'art ? Je veux dire, il y a une quantité minimale de temps à investir dans quelque chose pour que ce soit respectable ? Par exemple, interpréter le thème de l'inspecteur Gadget avec des bobines Tesla, c'est de la perte de temps ? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça plutôt cool. Ou alors concevoir une mitraillette de type Gatling pour tirer des élastiques à un débit de 14 munitions la seconde ? Vu que l'objet a récolté près de 150 000 $ sur Kickstarter, alors que le jeune inventeur russe ne demandait que 5 000 $ au départ, on peut
se dire qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de faire des bêtises avec. Le jeune homme a même pensé à une manière de recharger rapidement son arme potentiellement de destruction massive. C'est en réfléchissant à toutes ces jolies choses qui, encore une fois, à n'en pas douter, font avancer l'humanité dans le bon sens, que je vous dis à la prochaine bande d'otak. Affiche numéro 3 des bonnes manières à observer dans le train. Kelolo veut traverser le wagon, mais il se prend les pieds dans un sac, il n'y a rien à faire là. Et il dit « Konna tokoni mono kanaide ! Posez pas vos affaires ici !» Alors à gauche, on peut voir ta mama qui demande « Eh, dame nan desu ka ? Ah bon, fallait pas ?» Et le haïku « Ashimoto no jamana nimotsuni nakasareru » ce qui veut dire être bien embêté à cause des trucs qui gênent sur le sol. Donc il faut suivre les conseils de l'agent Sumama. Shanai dewa tasukatte amidana o katsuyo de smile. Dans le train, utilisons les porte-bagages, même si on a besoin de se faire aider pour. D'ailleurs, on peut voir Kogolo porter Gilolo pour qu'il puisse mettre son sac en haut. Et comme ça, tout le monde aura le sourire aux lèvres dans le train. Allez, on termine avec Retro and Magic sur Sid Meier's Pirates. Game designer légendaire, Sid Meier est aujourd'hui surtout connu pour sa série Civilization. Pourtant, celui qui fut le cofondateur de Microprose s'essaya à une multitude de genres. On lui doit ainsi des simulateurs de vol comme F-15 Strike Eagle ou de sous-marins avec Red Storm Rising, des jeux d'espionnage comme Covert Action, un jeu de gestion de chemin de fer avec Railroad Tycoon. Mais aussi et surtout, il invitera les joueurs à se glisser dans la peau d'un flibustier avec sa série des Sid Meier's Pirates. Pirates fait du joueur le capitaine d'un navire écumant les Caraïbes au XVIe ou au XVIIe siècle. Le jeu propose en effet au joueur de commencer sa carrière à différentes époques, 1560, 1600, 1620, 1640 ou 1660. Selon la date choisie, les îles des Caraïbes seront plus ou moins colonisées par les différentes nations européennes. Originellement sorti sur Commodore 64, Pirates sera porté sur la plupart des machines de l'époque, les images de cette émission étant tirées de la version Amiga. Comme souvent avec Sid Meier, il s'agit d'un jeu ouvert. Il y a bien une vague intrigue invitant le joueur à retrouver les membres de sa famille enlevés par de malfaisants nobles espagnols, mais le joueur peut tout aussi bien choisir d'ignorer totalement cette trame pour se consacrer au commerce ou à la piraterie, chercher des cartes menant à des trésors légendaires, ou devenir un corsaire servant les intérêts d'une nation spécifique après avoir reçu une lettre de marque. Sid Meier's Pirates connaîtra un premier remake en 1993 sous le nom Pirates Gold. Le gameplay est en tout point identique à celui de l'original sorti 6 ans plus tôt, mais cette version bénéficie de graphismes plus détaillés et d'une bande-son des plus entraînantes. Les images que vous voyez ici sont issues de la version Mega Drive, un portage très réussi sur console de salon. Penchons-nous maintenant plus en détail sur le gameplay de Pirates, qu'il s'agisse de sa version originale ou de sa version Gold. L'acquisition et la revente de matières premières jouent un grand rôle dans l'économie de Pirates, et il sera souvent payant de noter quel port offre le meilleur taux pour telle ou telle marchandise. Et bien entendu, il est également possible d'attaquer les navires croisés en mer pour piller leur cargaison. Après une bataille navale acharnée, le joueur pourra se lancer à l'abordage du bâtiment ennemi, et l'issue du combat sera déterminée dans un duel au sabre entre les capitaines. La force et la résistance de chaque capitaine étant proportionnelles aux différences d'effectifs entre les équipages de chacun. Une fois le capitaine ennemi vaincu, le joueur a la possibilité de saborder le navire ennemi ou bien d'y affecter une partie de son propre équipage afin d'agrandir sa flotte. Il est également possible de se lancer à l'assaut des différentes villes portuaires, souvent protégées par des forts armés jusqu'aux dents. A noter que la direction du vent est un facteur à ne pas négliger avant de se lancer à l'aventure. Il est en effet beaucoup plus facile et rapide de naviguer d'est en ouest que l'inverse. Le moral et la santé de l'équipage sont une autre composante essentielle du gameplay de Pirates. Si le joueur ne parvient pas à faire de prise ou que les réserves de nourriture s'amenuisent, l'équipage risque de se mutiner et d'abandonner l'alter ego du joueur sur une île déserte. Même si le joueur devient la terreur des Caraïbes, après quelques mois passés en mer, l'équipage commencera à s'agiter. Il sera alors temps de revenir dans un port ami pour diviser le butin.
Plusieurs mois s'écoulent alors dans le monde du jeu et la difficulté globale est augmentée d'un cran. Une partie de Pirates s'achève lorsque le joueur finit par prendre sa retraite. Le jeu fait alors le bilan de sa vie d'aventure. Combien d'hectares de terre a-t-il reçu en récompense des services rendus aux monarques européens? Quel rang possède-t-il dans la Navy? S'est-il marié et a-t-il eu un mariage heureux? A-t-il terminé ses jours en bonne santé ou bien terrassé par la fièvre et le scorbut? À la fois très simple à jouer, fun et profond, Sid Meier's Pirates fut un succès retentissant qui imposa les codes du jeu de flibuste. Maintes fois copié mais jamais totalement égalé, le jeu de Sid Meier fut l'inspiration directe de jeux comme Uncharted Waters, dont on a déjà parlé dans Retro and Magic, Sea Legends ou Sea Dogs. Même un titre comme Assassin's Creed 4 Black Flag en reprend les fondations du gameplay. Pirates Gold connaîtra également une version PC au graphisme totalement différent de la version Mega Drive et Amiga CD32. Graphismes qui ont d'ailleurs particulièrement mal vieilli, entre les décors 2D au rendu aquarelle baveux et les photos numérisées utilisées pour les personnages. Bref, on frise la faute de goût. Le gameplay est heureusement le même que dans les précédentes versions et toujours aussi addictif. Après Pirates Gold, Sid Meier, via son nouveau studio Firaxis, décidera de dépoussiérer une nouvelle fois Pirates en réalisant une nouvelle version en 3D. Le gameplay restait étonnamment similaire à celui de la version de 1987. Mais après tout, pourquoi changer une recette qui marche? Parmi les petites évolutions, on notera une volonté de donner un peu plus d'importance à l'histoire via quelques scènes cinématiques. Les combats au sabre tiennent désormais davantage du QTE, où il faudra utiliser la bonne attaque ou parade au bon moment pour déclencher la suite de la chorégraphie. Firaxis a également rajouté de nombreux jeux dans le jeu. Séquences d'infiltration lorsqu'il s'agit de se faufiler dans une ville ennemie, jeux de rythme lorsqu'on danse avec la fille d'un gouverneur, et ainsi de suite. En dehors de ces rajouts qui viennent diversifier le gameplay, mais sont au final très dispensables, on appréciera la belle direction artistique du jeu, très colorée et cartoon, qui évoque irrésistiblement les dessins de Mark Davis qui servirent de base à l'attraction Pirates des Caraïbes des parcs Disneyland. Le jeu sera porté sur tablette en 2011. Quelle que soit la version, Sid Meier's Pirates est un classique indémodable du jeu vidéo dont le gameplay n'a pas pris une ride. Un véritable trésor attendant d'être redécouvert dans les mers bleues du rétro gaming. Sur les bonnes manières façon Kelolo est fini pour aujourd'hui. Demain, bah, vous retrouvez Benoît et moi je vous dis à jeudi. Ciao!